بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيبي إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous sommes dans le cadre les règles qui les règles de la mosquée, et nous avons parlé de lieu de la prière, et nous sommes arrivés à la règle de la mosquée. Effectivement, nous sommes en train de parler de cette mosquée-là. Mes chers frères et sœurs, nous sommes en train de suivre dans ce même sens, en parlant de la mosquée, et parlant aussi du lieu de la prière, que la mosquée fait partie du lieu de la prière. Et nous avons dit que la mosquée, le lieu de la prière pour la mosquée, ne doit pas être usurpé, ne doit pas être réellement la propriété privée pour quelqu'un qui n'a pas donné l'autorisation à ce qu'on transforme son lieu à une mosquée, etc. Qui doit être aussi très propre, qui doit être pur et propre, etc. Tout ça rentre en ligne de compte, mes chers frères et sœurs. Il a demandé, mes chers frères et sœurs, les matériaux, lorsque vous parlez de l'architecture réellement de la mosquée, les matériaux destinés à la construction de la mosquée, tels que les briques, les maillons, les ciments et les chaux, mes chers frères et sœurs, qui entrent dans la construction des murs, qui pavement et du profond, mes chers frères et sœurs, doit être pur. Donc, lorsque nous parlons de pierre, de trucs, tout ça, les ciments, etc., doit être pur, mes chers frères et sœurs, ne doit pas être acheté par un enfant volé, etc. Donc, mes chers frères et sœurs, il y a ces points, et par conséquent, les maîtres servant à revertir les parties externes et des murs de la mosquée, à l'instar des prières, des briques, etc., doit, par précaution obligatoire, être aussi pur. Tout ce que nous allons essayer d'utiliser dans la mosquée, dans la construction de la mosquée, les murs, etc., doit être forcément aussi pur. Il n'est pas permis d'emporter hors de la mosquée les matériaux de construction, voire le sable, le gravier, au moins qu'il s'agit du sable additionnel. Donc, mes chers frères et sœurs, il n'est pas le sable qui a été mes chers frères, c'est dédié réellement à la construction d'une mosquée et ou des fers ou des ciments, etc. Il est interdit de faire sortir ces éléments-là, ces matériaux au sein de la mosquée, mes chers frères et sœurs, qui est interdit effectivement, sauf que s'il y a plus d'or réellement d'ajout, et réellement nous pouvons l'utiliser. Il s'agit de sables additionnels, nous pouvons réellement utiliser cela en dehors de la mosquée, etc. Il n'est pas permis, mes chers frères et sœurs, d'emporter, etc., nous avons parlé, il est interdit de vendre des portes, mes chers frères et sœurs, de la mosquée, les matériaux de construction, voire les sables, etc. Et il est interdit, mes chers frères et sœurs, de vendre les portes, mes chers frères et sœurs, les fenêtres, les objets qui appartenaient à la mosquée, qui viennent d'être démolis. Donc, il est interdit de les vendre, mes chers frères et sœurs, à la propriété privée. Et on est tenu, mes chers frères et sœurs, dans le cas pareil, mes chers frères et sœurs, d'agir de la manière suivante. Lorsqu'il y a une démolition ou une reconstruction d'une mosquée, les fers ou les briques, etc., nous ne sommes pas, il nous est interdit de vendre ces briques, mes chers frères et sœurs, mais compte tenu de ces matériaux, il est demandé à l'échange de faire certaines choses. Donc, nous avons essayé de vous parler de ces choses-là. Nous avons utilisé ces portes, ces fenêtres, ces objets pour réfectionner ou restaurer la mosquée, la même mosquée, nous pouvons l'utiliser. S'il y a lieu d'utiliser les mêmes engins, les mêmes matériaux, pour pouvoir reformuler ou réétudier encore certaines parties de la mosquée, il faut l'utiliser. Mes chers frères et sœurs, c'est à cette utilisation qu'on doit beaucoup faire attention. Affecter, mes chers frères et sœurs, des objets à une autre mosquée, s'il ne peut pas être
utilisés au profit de la mosquée initiale. Et c'est parti, ils ne suivent pas, on ne vend pas. Mais s'il y a une autre mosquée qui est dans le besoin de toits, dans le besoin de briques, dans le besoin d'autre chose, on essaie de dédier. S'il n'y a pas ces choses, n'a pas ses places dans la mosquée initiale, on essaie de faire un don à cette mosquée-là, mes chers frères. Au cas où ce Jésus-Christ ne peut pas être aucun cas, être utilisé à profit d'une autre mosquée, mes chers frères, on peut les vendre et utiliser l'argent qu'on en tirera au profit de la mosquée d'origine, mes chers frères et sœurs, ou à défaut et à profit d'une autre mosquée. Donc, s'il n'y a pas une autre mosquée qui puisse l'utiliser, ces matériaux, on essaie de les vendre au profit de la mosquée originale, la mosquée, etc. Et si la mosquée originale n'a pas aussi ses besoins, on est obligé de dédier ça à une autre mosquée comme étant bien un don, réellement, mes chers frères et sœurs, et voilà ce que l'islam dit. Il est recommandé de construire la salle des ablutions à côté de l'entrée de la mosquée. Et la salle des ablutions, quand on se passe contre la mosquée, il fallait que la salle de la mosquée soit loin, hein, mes chers frères et sœurs, 50 mètres de la mosquée, cela n'est pas aussi réellement appréciable. Il dit orner la mosquée de l'or, il est de l'or, mosquée, effectivement. Mes chers frères et sœurs, orner la mosquée de l'or, il y a cela. Orner la mosquée des représentants, représentations humaines ou animales. Dans la mosquée, on ne doit pas orner la mosquée avec de l'or à l'intérieur. Et aussi des représentants des humains, des êtres humains, on ne doit pas mettre dans la mosquée, mes chers frères et sœurs. Et il est déconseillé d'entreprendre les actions si près dans l'architecture de la mosquée. Lorsqu'on veut faire la construction d'une mosquée, il est interdit de construire la mosquée avec ces points. Construire le sommet de minaret plus haut que le toit de la mosquée. Il ne doit pas être plus haut que le toit de la mosquée, et c'est ce qui est plus demandé. Et nous avons aussi construit une niche à l'intérieur de la mosquée et peindre des motifs inanimés tels que les fleurs au sein de la mosquée. Il est déconseillé cela. Donc cela peut être fait, mais déconseillé. Et la dépense de la mosquée, mes chers frères et sœurs, comment doit-elle la dépense de la mosquée? Dès lors que l'affection d'une chose dédiée du service au service de la mosquée a été définie, mes chers frères et sœurs, on est tenu de l'employer à cette fin. Si quelqu'un donne à la mosquée une somme d'argent, demandant réellement de payer la facture de l'électricité, nous devons forcément payer la facture de l'électricité ou de l'eau ou autre chose. S'il y a une précision, nous devons essayer de respecter cette précision. Et s'il y a quelque chose de plus, elle sera remise à l'imam de la mosquée. S'il y a encore d'autres choses, encore de plus, cela sera remettre à l'imam de la mosquée. Mes chers frères et sœurs, ces dépenses-là, effectivement, lorsqu'on parle réellement, et nous devons essayer de lors que l'affection d'une chose dédiée effectivement à une mosquée, de la mosquée a été définie, on est tenu, mes chers frères et sœurs, de l'employer à cette fin, ou sinon, l'impôt ou les tapis payants ou des ouvriers, etc. pour la mosquée, et s'il y a quelque chose de plus, elle sera remise, mes chers frères et sœurs, à l'imam de la mosquée. L'un des rubriques de la zakat est le chemin de Dieu, mes chers frères et sœurs. Une œuvre religieuse à l'utiliser, mes chers frères et sœurs, à l'utilité publique dont profitent tous les musulmans, telles les dépenses, mes chers frères et sœurs, dues à la construction, à la réfection, aussi aux autres fournitures de la mosquée. C'est tout ça, mes chers frères et sœurs, est important lorsqu'on parle de la construction de la mosquée. Et aussi, réellement, le côté physique de la mosquée que nous voyons doit tenir tout ça. Le khums prélevé sur les biens ne peuvent être dépensés au profit de la mosquée sans autorisation du mujtahid réunissant les conditions requises à être marji. Si nous avons des khums, nous voulons prélever des khums, il n'est pas demandé autorisé directement de financer une mosquée avec ce khums, mais il est demandé avant de financer, de demander l'autorisation des marjis, et qui est très important, mes chers frères et sœurs, dans ce sens-là. Les accessoires de la mosquée, à ce qui concerne les objets que nous avons à voir dans la mosquée, les accessoires tels que les tapis, les vaisselles et les haut-parleurs, voient les seaux qui font partie des biens
mais mortes appartenant à la mosquée ne peuvent être destinées à un usage autre que celui de la mosquée, ni même celui d'une autre mosquée. Vous voyez, si quelqu'un, la mosquée, nous avons des bouloirs, nous avons des choses et des trucs dans la mosquée qui est utilisé pour cette mosquée, nous ne sommes pas utilisés, nous n'avons pas cette utilisation, mes chers frères et sœurs, de transporter cet objet dans une autre mosquée et ça doit toujours rester dans la même mosquée, mes chers frères et sœurs. Les accessoires dont la mosquée n'a pas besoin, tels que le poêle, la lampe à pétrole et le chamovoir à charbon, et peuvent être cédés, mes chers frères et sœurs, à la mosquée qui en a besoin. S'ils n'ont pas besoin de certains trucs en ce qui concerne cette mosquée, si on arrive que ils n'ont pas besoin de choses, ils les demandent alors d'en faire un don. Et s'il s'agit d'une autorité, mes chers frères et sœurs, canonique, et dans le cas où cette mosquée n'en aurait pas besoin non plus, mes chers frères et sœurs, ils peuvent être destinés à d'autres usages au profit de la mosquée d'origine. Donc, s'il n'y a pas d'autres mosquées qui sont dans le besoin, mes chers frères et sœurs, on fait retourner ces biens à la mosquée d'origine. Sans nul l'achat, ni la vente de jetés apprenant la mosquée, mes chers frères et sœurs. Mais au cas ces objectifs sont tellement abîmés, du point de vue qu'ils ne peuvent pas servir à l'usage leur destiné, mes chers frères, au moment de la donation. Donc cela est très important lorsqu'on parle de la mosquée, tout ce que nous donnons dans la mosquée, tout ce qui est fourni à la mosquée. S'il y a une précision, mes chers frères et sœurs, de l'utiliser dans ce sens, dans cette direction, il faut forcément le respecter et l'utiliser dans le même sens. Il ne faudrait pas changer de thème, de on one, etc., pour dans le financement, mes chers frères et sœurs. Quelqu'un puisse donner vraiment une tonne réellement de ciment pour la construction d'une mosquée, mes chers frères et sœurs. On ne doit pas utiliser cette tonne, mais c'est peut-être que pour la construction de la maison de l'imam. Donc, mes chers frères et sœurs, cela n'est pas aussi autorisé. Donc, mes chers frères et sœurs, voilà à peu près des points qui concernent effectivement la construction d'une mosquée et se servir de la salle d'ablution de la mosquée, mes chers frères et sœurs. Il est important, lorsqu'on essaye de construire une salle d'ablution, mes chers, cette salle d'ablution doit être très proche, et c'est ce que nous avons dit, de la mosquée. Mais doit aussi remplir effectivement, se servir, comment il faut se servir de cette salle-là. Si celui qui n'a pas l'intention d'accomplir la prière dans la mosquée ignore que la salle des ablutions de la dite est destinée à l'usage public ou ceux qui prient dans cette mosquée. Il faut comprendre que lorsqu'on parle des salles de l'ablution, mes chers frères et sœurs, souvent cette salle de l'ablution est dédiée au public, mes chers frères et sœurs, soit dédiée, mes chers frères et sœurs, aux musulmans qui viennent prier dans cette mosquée-là. Et aussi, il n'y a pas le droit d'y faire ces ablutions si c'est dédié seulement à ceux qui viennent prier dans la mosquée. Lui, il n'a pas le droit de venir faire ces ablutions au puis partir. Seulement que vous faites l'ablution et vous priez, et ça. Mais s'il est d'habitude que ceux qui ne prient pas dans cette mosquée, ils fassent leur ablution, il a lui aussi le droit d'y faire ses ablutions. Mais s'il s'agit que la salle des ablutions, si c'est une salle publique ouverte à tout le monde, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas d'inconvénient qu'ils puissent faire effectivement ces ablutions dans cet endroit-là. Et nous avons aussi les avantages de prier dans la mosquée. Donc, mes chers frères et sœurs, à partir de cela, nous avons le lieu de la prière et la mosquée. Il y a des avantages sûrement, le fait de fréquenter la mosquée, de prier toujours dans la mosquée. Et nous allons essayer de donner certains avantages, mes chers frères et sœurs, à partir de ce point. Le premier point, il est recommandé de prier dans la mosquée. En revanche, il est déconseillé, mes chers frères et sœurs, surtout aux voisins de la mosquée, s'ils ne sont pas empêchés par les maladies ou la neige ou la pluie, de ne pas se présenter à la mosquée. Il est déconseillé, il est demandé, c'est surrogatoire, de fréquenter la mosquée. Mais celui qui est voisin, le voisin de la mosquée, il doit essayer de fréquenter la mosquée dont il est voisin. Mais mes chers frères et sœurs, s'il s'avérait qu'il puisse s'empêcher lui-même de venir dans la prière, qu'il ait vraiment des raisons aussi valables. Vu selon la récompense obtenue en priant des dons, les mosquées du monde sont classées par ordre préférant de manière suivante. C'est-à-dire qu'il y a la préférence lorsqu'on veut parler, mes chers frères et sœurs, d'accomplir la prière dans la mosquée. Il y a sûrement des préférences, aussi des mérites dans ces mosquées différentes
toutes les mosquées n'ont pas les mêmes mérites. La mosquée sacrée de la Mecque, mes chers frères, chaque prière vaut 1 million de prières accomplies ailleurs, dans d'autres mosquées, 1 million de prières. Donc, mes chers frères, il y a aussi tout à fait de ces récompenses-là. Nous avons aussi la mosquée du prophète Mohammed à Médine. Chaque prière vaut 10 000 prières accomplies ailleurs. Donc, mes chers frères, vous pouvez comprendre les mérites de la mosquée. La grande mosquée de Koufa, chaque prière vaut 1000 prières accomplies ailleurs. Mes chers frères et sœurs, et la mosquée de Jérusalem, chaque prière vaut 100 prières accomplies ailleurs. Et nous avons aussi la mosquée centrale de chaque ville, chaque prière vaut 100 prières accomplies ailleurs, la mosquée centrale. Et la mosquée tribale du village, chaque prière vaut 25 prières accomplies ailleurs. Donc, mes chers frères et sœurs, voici les points que nous allons essayer par rapport à la mosquée et l'avantage que le fidèle musulman peut tirer dans le cas lorsqu'il essaie de fréquenter chaque fois la mosquée. Mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, et nous allons essayer dans la semaine prochaine ou dans la séance prochaine de continuer dans ce sens concernant les records de la mosquée et les récompenses qui s'y trouvent, Inch'Allah. Mes chers frères et sœurs, sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.